Bon, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gens, je suis sur l'ultramarin, les 177 km, accompagné de Patou. Encore une fois. Et de Soso qui m'accompagne. Et puis il y a aussi Julien, mais il participe pas parce que c'est un gros nul. Merde, il m'a entendu. Je sais pas, il me parle, mais j'entends rien. Ok. Donc je sais pas pourquoi je me suis encore inscrite à cette course là. Je sais pas, j'avais envie, tu vois, après le confinement, machin, je me suis dit oh allez vas-y on participe, oh c'est trop bien. Et en fait une semaine avant t'es en PLS en mode mais pourquoi, toi tu sais pas. 175 km, 1300 mètres de dénivelé positif. Oh voilà, enfin le départ. J'entends mon nom, mais je sais pas qui c'est. Bon les gars, bientôt 5e kilomètre, déjà. Putain, je suis une œil. Bon courage. Merci. Ça va être long comme ça. Ouais, je pense, ouais. Il y a un peu de monde, là. Ah, oui, ouais. Hop, hop, hop. Profitez-en, ouais, avant qu'il pleuve et tout. Et on a de la chance parce que cette année, pas de canicule comme 2018 et 2019. Donc là les gens, en fait, à chaque ravito, faut porter son masque. Donc là ça fait 13 kills. Patou est derrière moi. Il y a de l'ambiance ici, c'est chaud. Merci. Carrément, tu seras dans la vidéo. Je ne sais pas où nous sommes. Bonjour. J'ai vu ta vidéo déjà du dernier. Ah oui. Ah bah ouais, j'y retourne, je suis encore là. Pourquoi ta caméra? Ouais, voilà. Je vais me voir sur YouTube moi aussi. C'est ça. Welcome to the YouTube. Bon les gars, 16e kilomètre, au taquet. Mais c'est qu'il y a du monde ici, c'est incroyable. Voilà. Depuis le début. Bon les gars, vous avez été nombreux à m'avoir reconnu, donc merci à vous. Merci pour votre fidélité. C'est, ça fait toujours plaisir en fait. Oh là là, vous êtes vraiment trop crade. Je viens de me rétamer plutôt bien pour laisser passer un cycliste. Je me suis trop rabattue et bam, je suis tombée comme une merde. Heureusement aucune séquelle. Mais ce qui fait chier c'est que bah, voilà, vous êtes crade. Moi aussi. Merci. Bravo. Merci. Bravo, donc ouais, belle gamelle, alors que nous sommes qu'au 23e kilomètre. Et j'espère au moins que vous avez filmé la gamelle. Bah ben non, on va pas te prendre en vidéo quand tu dis et arrête de tomber. 27e kilomètre. Il y a quand même un peu moins d'ambiance qu'en 2019. À cause du confinement, mais bon, ça a son charme quand même. Merci. C'est pas tout, mais on a un ultra à faire, quoi. Bon, je n'ai pas les jambes en feu comme l'année dernière, enfin comme en 2019, mais on va quand même avancer. On va commencer à prendre la frontale et tout là. Il va faire nuit. Later. Bon les gars, c'est mort pour moi. Je viens de me toller. Bon, on va pas voir, hein, mais je pisse le sang en fait. Je pisse le sang et je pense que c'est la fin. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais attendre que Julien et Soso arrivent, qu'ils me soignent et puis on verra bien.
20 minutes later. Ça vient de se passer. Ouais, ça chaud, ouais. Et elle voulait pas une couverture ? Non, pour l'instant ça va, je suis bien, c'est juste que c'est mort quoi. Les amis, c'est mort. This is fine. Je pense que merci. Oh, tu vois, Isa, j'aurais été au bout, là. Pas toi, par contre. C'est vraiment une saloperie. T'as fait exprès, ça, je suis sûr. Je l'ai vu, c'était du maquillage, ça que tu veux ouais, dire. Ouais, bah oui, c'est du maquillage. En plus, ton mercurochrome, il est tout pourri. Bah, t'as dû mettre du ketchup à la place, c'était mieux. Franchement, quelle honte. Tout ça parce qu'il pleuvait. Petite joueuse. Et 18, elle va nous faire la même en plus. Dire, oh non, j'ai mal, je peux pas courir. Tiens, ce fils dans mon dossier. Mais attends. Ah là là. Allez, c'est bon, ça va se finir.